Bonjour à tous, aujourd'hui on est à Wanli, une ville située à côté de Keelung sur Taïwan. On va aller visiter un petit complexe hôtelier à l'abandon, en bord de mer. Et je vais vous montrer ça, on a l'impression que le temps s'est arrêté. Voilà, à tout de suite. Bon là on se trouve à l'entrée du complexe hôtelier, complètement abandonné. Moi je suis désolé, le temps il n'est pas superbe aujourd'hui. Donc il va y avoir beaucoup de contraste. On va rentrer à l'intérieur. On va essayer de voir à l'extérieur qu'est-ce que ça donne. C'est un peu glauque, un peu peur. Mais on va regarder l'extérieur uniquement. Il n'y a pas grand chose, on peut pas voir grand chose, on peut pas accéder partout. On va essayer de faire le tour extérieur seulement. Vraiment très très bizarre. Comme si le temps s'est arrêté, le matériel de clim est encore présent. Tout est à l'abandon. On va voir ce qu'il y a par ici. Des bacs pour laver les verres. Assez particulier. Bon, on se retrouve sur les petites maisons après. Là on peut voir derrière, juste derrière, complexe, un peu qui ressemble à des extraterrestres. Ouais, un peu s'aventurer à l'intérieur, on va voir ce que ça donne. On a l'impression que la Terre s'est arrêtée et que les gens ils ont continué à habiter à l'intérieur. C'est assez bizarre. Mais le plus marrant dans l'histoire, c'est... Les plaques sont encore neuves. C'est assez particulier. Bon, le temps il est pas super. On va aller avancer un peu vers la mer, un peu visiter un peu. Et en fait, ce complexe hôtelier, il y a encore des gens qui y habitent. Ce qui est marrant, c'est qu'il y a encore les glaces. Bon les amis, on se retrouve au marché aux poissons. On est à Kuei Ho Fish Market. On va faire une petite visite.
et on va voir ce qu'il y a comme produits frais. Et on va manger peut-être un petit peu aussi. À tout de suite. Une petite sèche. Des deux, je vais manger directement et la patronne elle va couper, elle va l'ouvrir directement. Bon bah maintenant on va les manger. Des oursins que la dame elle a ouvert, enfin, un peu comme ça. Ils sont très frais, on va en manger une. On va voir ce que ça donne. Regardez. La vache. C'est super bon. Allez, je finis ça et après on en reprend. Allez, manger. Dans le fish market, j'ai commandé 2-3 trucs à manger. J'ai commandé des palourdes, des crevettes. Bon, j'ai pris un sashimi de saumon parce que j'avais vraiment envie de manger un sashimi de saumon. C'est un peu cher, je trouve. Saumon en sashimi 300 NT l'assiette, ça fait un peu cher. Bon, après, on verra si c'est frais. Enfin, à tout de suite. Maintenant on attend que les plats soient servis et on va manger des produits frais. Bon, allez, j'ai reçu les belles palourdes grillées au grill avec du sel et c'est tout. On va manger ça, on va voir, ça va être super bon. Mène un peu de citron. Yeah.
t'es pas lourd. C'est bon. Bon allez, je finis tout le reste et je vous reprends après. Allez, on va manger le dernier. Super bon. On est sur un stand qui fait que des sashimi, poisson cru encore. Non, on peut le voir. On va commander un peu. En fin de compte, je fais que de manger là. On va commander et après on mangera dehors parce qu'on peut pas s'asseoir ici. Bon allez, trouver un petit endroit pour manger mes sashimi qu'on a acheté tout à l'heure au marché parce que j'en avais un peu marre. À l'intérieur, il y avait un peu de monde. Donc on va manger les sashimi ici. Ça sera plus simple. Juste au bord de mer, c'est plus cool. Allez, on va goûter les sashimi. Là. Donc, sashimi de thon. Thon, espadon. Alors on va commander pour le début. Espadon, thon, sole et saumon. Donc on va voir si c'est bon, on va goûter ça. Oh c'est vraiment, n'est-ce pas non? Après le thon. La sole. La sole, c'est assez particulier. Quel dernier, le saumon. C'est pas mauvais. Bon, on se revoit un peu plus tard. Allez, à toutes. Bon, là, on est dans sur King San Hall Street, donc une rue un peu piétonne où il y a quelques magasins. On va aller faire un petit tour, à voir ce que ça fait. Voilà, à tout de suite. Un petit gringo. Bon, on va manger le gringo, on va voir ce que ça donne. Comme ça. Non, très bon. Je conseille.